Chers amis, bienvenue, bonne écoute dans une nouvelle édition Sport CEPAM. Nous comptons avec vous pour l'édition aujourd'hui. Tant que nous sommes trois lits, c'est Grenadier Noyo qui a défilé pour prendre place dans résidence que vous avez réservée pour vous et pour vous être capable de préparer un match, que vous avez deux matchs qui en perspective. Et puis, on a pas informé aussi sur ce qui a passé dans le pays de la CAE. Et on va attendre les déclarations du président Racing Club Haïtien, que nous n'attendons pas depuis quelque temps, depuis Racing a sorti dans le championnat spécial que Connaught a organisé. On attendait aussi Vanel Durandis, qui est un dirigeant de Cavalier de Léogane, et puis Evno Destin, qui est en course Mopolite. Nous avons regardé aussi sur plan international quelques matchs de Coupe du Monde qui pourraient gagner dans deux jours. Nous avons gagné un match Venezuela à recevoir Brésil. Brésil qui est vraiment pas. Portez-le bien parce que l'étape comptée sous Militao, Militao out, et Rodrigo aussi était blessé, et ce n'est pas plus grave que ça, mais monsieur pas présenté dans une très très grande forme. Et puis, n'a pas gardé quelques autres points ensemble avec vous pour nous capables de clôturer la séance. Nous on dit vous merci. Continuez à abonner, partager, remet Chanel en sport, c'est pas moi. Donc, quand nous disons et dirigeants ont commencé à faire tant de voix parce que Kenyan Connor mettait dehors un draft statut qui prend le régie fédération pour les prochaines années. Donc, et puis, nous attendons comment Racine a préparé il était gagné des séances de détection pour recruter des jeunes. Pour capable venir et défendre couleur jaune et bleu. En entendant d'abord Paul-Émile Adrien, qui est président du Racing Club haïtien. Et en même temps, bon, la famille Racing là dans la table. La famille Racing là pose une question. La famille Racing là où elle est montée sur le terrain. Nous avons de la passer parce que dans les communications, nous ne pouvons pas communiquer tout et c'est voulu. Nous sommes les gens parce que nous avons travaillé après ce moment. Donc, il y a pas tellement déjà beaucoup de fluides. Et on donc, il y a même besoin qu'on va recommencer le travail. Donc, malheureusement, nous pouvons retourner au premier cours, nous devons bien arriver avec les films. Donc, nous devons, parce qu'il y a un gros projet que nous devons en tête, nous oublier de rater. Très bien, nous obligés de déraper, nous sommes fait un stage comme ça pour mourir ou bien une détection, nous sommes fait sous combien de jours nous arrivons à Kembe pour nous retirer sur le campé. Moi, je crois que c'est un travail extraordinaire. Je crois que beaucoup de rapports sont vraiment fiables. Tout ça passe sur un rapport technique, un rapport administratif, je ne regarde pas tout. Et même dans l'ensemble, même année, passé en deux fois, on doit ça moins, c'est un combat extraordinaire. Engouement jeune pour venir participer à la détection, pour lui montrer la main, et qui est tellement engouement extraordinaire aussi, bon, côté de bande d'avant-parodé, qui s'en est fait. Et la forme du cœur, l'idée au départ, c'est la détection pour les jeunes, c'est ce que l'on fait. Détection pour les jeunes, nous avons une détection pour moins de 18 ans, moins de 16 ans. Et puis tout, nous avons une détection pour moins de 20 ans. Donc c'est un petit peu ça, c'est ça qui est l'objectif récent de ce moment. Et forme de que jusqu'à présent, d'après la proverbe que nous recevons de direction technique récemment, et tout le bagage a bien marché. Tout le bagage a marché pour deux tours de catégorie d'Alzaïo. Et nous gagnons effectif, nous regardons tout jusqu'à présent, que nous étions à 40 jours de côté. Nous étions à 40 jours de côté. Donc, dernier jeu de détection,
Et bien, je vous ai donné forme d'une dernière centaine de joueurs, effectivement, qui étaient venus. Donc, par rapport avec sa venue, avec sa non-réo, donc, on était à 40 pour les deux catégories. Et à 40, ça y est, encore ce 23, nous allons monter sous terrain à 0. Parce que normalement, effectivement, ça a supposé entre 30 ou 35. Mais votre film déterminé, c'est 35 après, ou bien c'est 30 après. Mais la pontée souterraine en verre, de toute façon, encore, c'est même là. Et parce que nous voulons justement prendre le thème de la crème, sans parti pris, et là, tu viens très bien sur le réflexion technique. Mais pas bien prendre un petit par rapport à ce petit grain par rapport à ce petit grain par rapport à ce petit grain par rapport à parce que vous ça fait donc au moins 6 aspects techniques et justement qui sont déjà en capture de détection. Même si vous venez à mon barreau, donc je ne crois pas que vous avez des techniciens, vous pouvez en entendre avec tout le monde, si c'est bien. Mais si c'est technicien pour dire que, bon, je ne vais pas mettre des pannes. Et puis, tout bien sûr, André, bien sûr, bien sûr, coach, bien sûr, bien sûr, et puis, bien sûr, Dieu, tout. Bien sûr, Dieu, ça me garde, parce qu'en dehors de technique-là, les techniciens sont venus voir, superviser ça, et faire des détections en tout. Bien, il y a un autre monde qui compte le football, qui compte le football, tout. Nous vous regardons tout. Parce que nous ne pouvons pas jouer. Il n'y a pas après pour qu'ils ne soient pas venus parce qu'on n'a besoin de jouer pas. Parce que ça nous dit, bon, nous essayons de la mesure du possible. Il faut un jour pour ça arriver. Mais ça, c'est dans l'ordre du possible pour nous. Mais très bien. Notre travail est justement pour nous gagner. Et justement, si nous avons 35 joueurs, c'est 35 joueurs, c'est 35 bons joueurs. Oui. Très bien. Si nous avons 35, c'est 35 bons joueurs. Oui. Vous comprenez ça. Et c'est deux équipes que nous avons gagné. Et puis après ça, nous pourrons justement faire convocation pour une grosse division, division 1. Après ça, nous faisons convocation pour division 1. C'est comme ça, Ressina a préparé lui. Elle a préparé Junior pour capable représenter Ressina dans la prochaine compétition. Mais la question qui a posé, c'est qui le compétition ça y aura la démarrer. Et là, nous connaissons que Connor. C'est dans phase statut que lié et club yo pas tellement vle jouer qu'on y a là parce que yo vle que Connor mette les points sur les i avant que yo ta jouer puis yo te en solidarité aussi avec un club de deuxième division yo troisième division toute l'autre division parce que yo pa ka yo même première division y a joué puis l'autre division yo pa joué me pense que son seul famille yo et donc gagné l'autre déclaration qui t'est faite en attendant Vanel Durandis qui c'est secrétaire général au président je n'en sais pas trop de Cavalli de Léogane nous est statut mais nous pas capable faire aucun enfin commentaire sur lui parce que ce matin nous recevons même particulièrement monsieur Valière et beaucoup fin l'île beaucoup fin épluché vous regardez s'il répond à toute volonté et tout ça nous même nous gagnons dans football là parce que quand même je vous dis ça statut c'est nous même qui avons pour appliquer l'île donc c'est nous même qui avons pour nous respecter il était paraître nous normal que l'heure t'a fait là pour te mettre nos courants pour nous travailler ensemble avec mon avec commission qui pour travailler sur l'IA pour que déposer contribution pas dans monter statut malheureusement ceci n'a pas été le cas CN te prend initiative li pou kont li m pa konn ki est ce qu'il fait avec FIFA konka ka fou BCFU ou bien si son commission spéciale qu'elle fait pour kont li pa fait on a aucune information sur la façon dont les statuts ont été rédigés en conformité à ceux de la FIFA, nous n'avons aucune idée de ça, donc nous juste recevons un document. Donc, on y a un printemps pour éplucher le, pour nous garder, et l'un finit et toutes les connaissances du document, le ça, si il y a des recommandations, on a fait à CNA et à leur club qui est dans le pays. Une réunion que tu as supposé faire mardi, Cavalli, prêt pour réunion ça? Nous pas capable de participer dans une réunion que nous pas connaît exactement. D'abord, l'aide qui convoque la réunion, consomme de la donner, nous pensons qu'il outrepassait le mandat du CN. Bah que CN n'a pas pour réfléchir sur l'avenir football, sous voisins moyens. Enfin bref, sous stratégie
pour nous développer le football là, c'est n'a pas gain ça dans la mission ni. On pas quoi gain pour faire ça. Et nous croyons que c'est un jeune désir il pas mettre dans condition pour nous déjà gain opinion sur statut là. Nous pensons que on réunion conseil ta doit faire au moins 15 à 22 jours le temps que nous même nous pas connaissance statut à club que nous réunis sur lui que nous gain des opinions sur lui d'ailleurs d'après ça me connaît. On connaît des activités que le club a fait là pour une commission même inter-club qui parle réfléchir non seulement avec la première division, mais deuxième division féminine. Nous parlons de Chita pour nous garder et si statut a répondu à nous-mêmes, ça nous croit qu'il a constitué le football haïtien. Donc, c'est un à permettre que Jodia, nous dans deux jours, et nous avons participé dans une réunion alors que vous-même, vous avez 3 ans et demi, parce que 4 ans, vous avez fait rédaction ça, et puis nous 2 jours pour nous faire opinion sur l'île, parce que c'est un petit peu, enfin, je ne dis pas malhonnête, mais pas quoi trop respecter nous dans notre sens. C'est comme si ça revient faire, nous pas gagner une carte sur l'île, ou bien nous pas gagner un monde compétent pour discuter sur l'île, donc nous avons pris le bas, nous avons pris le bas, nous avons pris le bas, nous avons pris le bas. C'est comme ça, monsieur, devant une fête accomplie, à Conor. Apprécié yo alors tant que monsieur Durand dit il a gagné tout temps yo pour te faire ça yo pour te faire kounya yo nan yon match pressé et Conor te communiqué yon liste de clubs première deuxième division qui licencié kounya là et l'autre yo qui ça que yo a fait ensemble avec yo en entendant monsieur Destin qui c'est président de Cosmopolite. Bon, ça c'est les gars qui ont fait si on championnat fait je dis là, on va jouer dans championnat et c'est ça. Yo gen doit faire licence à n'importe là. Ben, bien sûr son processus qui pas discontinué. Son processus qui pas discontinué. Yo ka faire n'importe quoi. Yo pas besoin bonne grâce secrétariat ou bien n'importe quoi parce que son organe indépendant qui veut statuer sur lui. Organe siège en permanence. Il suffit que vous voyez ensemble de critères yo mandé yo et puis utiliser le bon licence pas. Kounya organe doit dire il a fait championnat là 2019 que son volley pas jouer championnat et qui pas gagne licence parce que c'est la licence ça pour jouer parce que licence là et ça pour nous comprendre. Et doit pour jouer le bao. Il pas bon droit pour membre. Il bon droit pour jouer. D'abord, c'est le monde qui a retiré droit en équipe pour le pas équipe pour le pas dans la fédération, c'est le congrès. Dans ce des clubs réunis, ils vont nous expliquer les choses. Sous telle balle, quand même. Okay. C'est comme ça. Donc, nous ne pouvons pas permettre que le comité de normalisation a osé le droit pour jouir de tous les deux privilèges. Il y a à la fois, comme si Mdadou et jouer Wall. Du comité exécutif, et puis pour jouer le rôle congréa. Congréa, c'est l'instance suprême. Ok. Et bon, moi-même, j'ai de la considération juridique que je ne vais pas entrer là-dedans, la question de la dévouée, ben, moi, parler de statut en virus, même pas c'est que Karika a répondu sur ça, même si nous avons l'autre élément de réponse, je n'ai pas besoin d'aller parce que ça est clair. Donc, et depuis presque 4 ans, s'il pas 4 ans et plus, Conor là, il a tergiversé. Eh bien, maintenant, il mettait le club devant une fête accomplie. Eh bien, il est obligé de marcher pressé. Il n'est pas même au courant de qui ça qui est dans le statut. Mais il va aller réunir pour lui 10 derniers mots. Donc, c'est du n'importe quoi. Et en ont transitionné sur un plan international. Donc, avant que nous allions, nous connaissons Haïti a joué 2 matchs et dans le cadre de la Ligue des Nations, Haïti a 1 point pour les joindre et pour les sortir dans la deuxième division, dans la Ligue BA, pour le passer dans la Ligue A. Et du coup, gagner qualification pour y aller jouer prochaine compétition Gold Cup. Donc, Haïti, nous pensons que ça, yo capable de faire. Il a joué le premier match face à Saint-Martin le 15 novembre prochain. Et puis, deuxième nan, face à Porto Rico le 18. Nous avons défilé monsieur en début d'émission qui a entré dans la résidence pour yo capable préparer 2 matchs. Nous espérons que 2 matchs qui sont ces 2 derniers matchs
avant année a fini, deux matchs ça yo pour yo capable gain sac yo pour yo gain ticket ou non mais pour aller dans l'autre niveau l'autre option. Donc ça qui ça n'a espéré ouais dans l'équipe ça nous pour aller garder si que équipe là l'a venir jouer avec des play set parce que nous jouer et contre ti équipe ça yo kounya la li lè pou nou komanse a montre ke nou kapab ale nan lot nivou, nou kapab jwe avèk des ekip ki an peu plu, ki nan ranking nan FIFA ou bien CONCACAF la ki pi ou ke nou mèm, kote nou genyen yon jwet ki genyen baz, ki genyen yon fondasyon, nou konen kote nou soti, an defans koman nou ap fè sa, defans nan dernye match nou yo, pas trop convaincant, yon AD a un Jean Marais, yon Nazon a Jean Marais, c'est dire que l'équipe là n'est pas vraiment homogène. Donc en prochain match ça, ou deux prochains matchs ça, Saint-Martin et Porto Rico, nous besoin yon seul point. Donc on a besoin ouais équipe haïtienne nan, qui montre nous aux abords et de 16 mètres, comment que yo ap sorti à gauche, à la droite, non, m'pa pral à la droite, m'ap centré, m'ap shooté. Donc, quand c'est pas n'importe quoi, nèg yo rive au cafouillé, ou par contre, qui ça que yo fait, il faut que bagay, parce que qu'on y a là, football, pas jouer, et jouer à l'vinil, pété courir, et puis par contre, qui ça l'a fait, li konnen côté l'ap sorti, saute nan kan, mais qui bol pralé, l'ap joué court, l'ap joué long, l'ap pralé adversaire là. Donc, tout ça, c'est une équipe professionnelle. Ou équipe qui gagne métier, c'est depuis qu'on y a là pour nous chercher, c'est pas l'heure nous arriver dans le cup ou bien l'autre année, l'heure nous pourrons jouer éliminatoire de Coupe du Monde. Et puis, nous t'a remis, ouais, que Minier mettait en l'autre jeune joueur et dans match, nous t'a ouais que les gardiens que nous gagnons, y a pas à la page, donc nous avons besoin de l'autre gardien parce que le. Nous t'ai joué avec tous deux gardiens réservés, yon blessé de troisième nan monté, et ben nous t'ai ouais salba. Nous kounya là, nous ouais côté nous gain point faible en défense, pas toujours gagné yon bonne entente surtout entre charnière centrale là. Et donc nous pas ka gagne un pile joueur k'ap courir monter descendre souterrain, mais c'est fois y a fait yon bagay et que tout le monde a gardé pour yon ouais que gagné yon équipe qui en progrès. Donc au niveau international, tu gagnes une série de blessures au cours de week-end écoulé. Neymar qui fait qu'un vini et puis qui est un blessé, mais c'est pas trop grave que ça, Ishua. Donc depuis pas gagné un ligament qui allait, donc monsieur pralé là pour lui 4 à 6 semaines. Non, monsieur, t'as dû retourner et dans jouer après 4 à 6 semaines. Non, blessure, gagné Rodrigo qui était blessé tout dans dernier match en Real Madrid là monsieur après aller là pour 3 4 semaines tout c'est pas aussi grave que ça mais et Brésil pas qu'a gagné service li pour prochain match mon qui recevra Pigou Koua et donc c'est l'homme du milieu l'homme du milieu Militao et c'est monsieur qui pas capable et monsieur a là pour n'importe 9 mois et donc entre-temps toute bagarre a fini donc je vous dis et on dit que nous à 1 mois de fin d'année hein, nous mettez les j'avais dit monsieur là pour août peut-être le compétition a pour ouvrir encore donc c'est bien bien dommage donc monsieur blessé et pas vraiment et t'es ouais monsieur les font y frapper à jouer c'est certain même pas trop rien de violent et qui t'a metté monsieur à terre et malheureusement ça a fait que li passé toute reste saison et hors du terrain c'est un coup dur pour le Brésil parce que dans moment côté et entraîneur brésilien tape relé et relé déjà relé Militao relé Rodrigo ben monsieur Sayo li pap kagen yo la pou oblige fait appel on connaît que dans le temps et
Brésil, pas de pauvre joueur football, donc nous pas qu'on est. Et qu'on y a là, qui gens ça pour allier? Est-ce que la gagner les services et est-ce que les deux monsieur ça y a capable de gagner une parfaite collaboration pour y bailler Brésil la victoire? Donc nous attendons. Et pour nous, ouais, parce que y a gagner. Ils ont parti, non pas dit difficile, hein, mais et, pour éliminer trois Sayo, l'équipe Venezuela lui montrait que lui pas est venu pour la paix. C'est une équipe qui venait pour le défendre avec rage de vaincre, chacun pour sa terrain. Et donc, jusqu'à ce que Abitlan lui siffler plus tard que match là fini. Donc Brésil, pensez que Brésil prend match ça très très au sérieux. Donc le 14 soit jeudi prochain, Brésil a gagné pour lui faire face à l'équipe du Venezuela. Et donc c'est pas et seulement match ça qui a joué, a gagné plusieurs matchs, on dit que toute équipe Am Studio y a pas au rendez-vous. Paraguay a recevoir Argentine, Équateur, Bolivie, Uruguay, Colombie, un très très bon match, hein, Pérou, Chili. Donc et comment et classement présenté dans le moment ça, nous connaissons que Argentine toujours en tête. Et depuis début à Alcambi tête là, il n'a pas lâché prise. Colombie en deuxième position, Uruguay en troisième, quatrième Brésil, Équateur cinquième, Paraguay sixième, septième Bolivie. Venezuela quoi en huitième position, mais au pral jouer la caillou, il n'y a pas et offrir en résistance, il y a offrir un challenge assez raisonnable face à Brésil. À l'image du capitaine Johan, donc on est qui est toujours un joueur qui vraiment est très déterminant dans l'équipe en Venezuela. Une équipe qui pas prolifique, qui pas bail trop goal, mais quand même de temps en temps il fait des résultats. Donc il y a 11 points en 8e en position, donc le Brésil devra se méfier au cours de match. Donc et c'est comme ça. Et en Europe, a gagné des matchs aussi. Donc nous prenons le temps pour nous voir qui est qui capitaine qui a levé Coupe du Monde là en 2026. Donc est-ce que l'Argentine a succédé à Tetley? Et les trois bonheurs, même là que dans Comebol là, ils auraient été leaders, mais leur Coupe du Monde arrivée, éliminatoire finie, donc ils auraient allé dans un autre ball game, ils auraient allé dans une autre affaire. Et donc, on voit que l'Espagne était gagnée et Coupe d'Europe là, et nous disons, ouais, l'Allemagne, la Kylie, comment que l'était présenté, lui, oh, à un degré moindre, hein, la Hollande, donc, là, c'est Coupe du Monde là qui va arriver, donc, rien n'est gagné d'avance, hein, et donc, équipe, il n'y a pas obligé pour yo, faire monter niveau, hein, donc, c'est pas parce que on va mener dans la compétition éliminatoire, yo, préliminaire, yo, dans région, ça veut dire que ou déjà senti que ou champion. Non, c'est pas comme ça, bagay. Donc, les Coupes du Monde l'arrivée, c'est pas tout à fait yon l'autre paire de manches. Et donc, en compétition, yo, et en Europe, yo, font un petit campé pour week-end ça. En attendant que journée FIFA finit. Donc, il n'y a pas obligé et joueurs un peu partout pour aller jouer dans l'équipe. Donc, pas qu'à game match, l'équipe n'a pas payé un bon joueur pile propre et puis il n'a pas gagné pour être capable de défendre l'équipe. Donc, nous sommes trois et gens que Manchester City tombé fort, mais que le en déplacement, Real Sociedad, dans le map des matchs là, on a reprise, et c'est un match côté Real,
Real Sociedad vraiment fini disputer yon rencontre sans complexe du tout. Quoique l'équipe Manchester tap mené sous yo même, eh ben yo pas lâché prise, yo pas baissé les bras, yo continué goumen sous terrain. Hein. Et donc, Pep pas de connaître côté pour lui mettre quoi. Pep tap mandel ki sa kap pase ekip mwen kon sa. Monsieur te, bon, mèm lè ekip li kon ap menè, li kon vreman delir. Pep te vreman dechene pou li wè ekip li ap perdu kon sa. Real Sociedad te montre ke li te a la hauteur de situasyon. Hein. Vin jwè yon match vreman. Plein et des jeunes qui montraient que yo en état yo a fou y a couru monter descendre yo pas intimidé par la machine de Manchester City donc marché prend yo et jusqu'à ce que yo joignent et un premier goal et un deuxième goal donc en Pep pas gain l'autre bagaille pour le faire que saluer entraîneur à la société là. C'est comme ça, nous disons merci pour attention. Nous sommes contents ensemble avec vous pour l'autre édition. Pas oublier que mois de novembre, c'est mois sport, c'est pas mal. Nous avons avancé pour nous finir. Nous pas fait ni trompette, ni cymbale, ni tambour. Mais quand même, nous sommes contents que nous gagnions 2 ans. Ensemble avec vous là, des hauts et des bas, mais quand même nous là. Et Sportsipa a montré pendant 2 ans, nous allons en Floride plusieurs fois, nous allons supporter un vétéran, nous sommes allés dans l'académie, hein, l'île Haïti pour nous jouer avec Timonio, nous allons à Boston, nous allons à Medamio, et nous sommes à Londres. Et dans la finale, Real Madrid, Dortmund. Donc, c'est ça que Sport CPAM n'a y. Donc, continuez à abonner, partager, aimer, supporter Sport CPAM. Allez, à tantôt.